Bonjour, ici Aurélien, fondateur de System.io. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette formation où je vais montrer comment fonctionne System.io, comment l'utiliser. Alors, première chose très importante, la plupart des gens qui utilisent System.io sont des débutants, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est normal au début, c'est nouveau, on n'a pas forcément l'habitude. Il faut savoir un truc, c'est que si vous voulez créer un business sur Internet, eh bien, il va falloir apprendre à trouver des solutions. Il va falloir apprendre eh bien, à ce que ce soit pas confortable, parce que c'est nouveau et c'est normal. On a tous appris à marcher, on a tous appris à parler, on a tous appris à utiliser un ordinateur. Et aujourd'hui, il y a des outils comme System.io qui vous permettent de créer un business. J'ai commencé mon premier business sur Internet en 2010, croyez-moi, j'ai créé System.io parce que c'était l'outil dont je rêvais. C'est-à-dire à l'époque, c'était l'enfer. Fallait installer WordPress, fallait bricoler des processeurs de paiement. C'était très compliqué, il n'y avait pas Stripe. C'était très très compliqué, très compliqué. Croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors évidemment, il y a certaines choses à savoir. Donc dans cette formation, première vidéo, je vais vous montrer un aperçu. Vous allez voir, en quelques minutes, vous avez un aperçu de toutes les fonctionnalités. Ensuite, on va avoir une vidéo spécifique pour chaque fonctionnalité. Si vous avez besoin d'aide, pas de souci. Il y a notre centre d'aide, des pages d'aide. On continue à en ajouter. Il vous suffit de faire une recherche. Elle est ici, l'aide pour System.io. Il vous suffit de taper votre recherche ici, par exemple, comment créer un formulaire. Et vous voyez, voilà, un formulaire, un champ de formulaire, comment créer une page de capture, une pop-up. Voilà, on a plein de pages d'aide. Il y a également le groupe Facebook. Il y a plusieurs milliers de personnes, c'est très actif. Le groupe Facebook, c'est plus si vous avez un doute, si vous avez une question sur votre stratégie. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a une vraie communauté System.io de personnes qui sont là pour vous aider. Vous allez sur le groupe Facebook, vous serez impressionné. Il y a voilà, vraiment des gens qui sont passionnés, qui vous aident. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez besoin d'aide, il y a ici une fenêtre que vous pouvez ouvrir. Et vous pouvez également aller ici en cliquant sur aide. Donc maintenant que vous savez tout ça, c'est parti, je vous montrer comment fonctionne System.io. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, on voit le nombre de contacts dans les 30 derniers jours et le nombre de paiements dans les 30 derniers jours. Et ici, vous allez voir apparaître tout ce qui se passe en direct. C'est un petit peu un fil d'actualité. Donc là, c'est un nouveau compte, donc il est vide. Donc, tableau de bord, j'ai mon tableau de bord. Mon tableau de bord affilié, c'est pour voir quand je fais la promotion de System.io ou alors d'autres offres en affiliation. Ici, vous voyez, je peux. Ici, j'ai mon lien affilié. Donc, c'est mon lien personnel à moi que je peux utiliser. Si quelqu'un clique sur le lien et s'inscrit sur System.io, je vais toucher donc 40% de commission à vie. C'est notre programme d'affiliation qui cartonne. Voilà, les affiliés, il y a aussi un groupe Facebook pour les affiliés. Vous pouvez aller voir et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de commission qu'on paye aux affiliés tous les mois. En moyenne, vous touchez, c'est en moyenne, hein, c'est 5 euros par contact. Et il faut savoir que c'est un vrai programme d'affiliation à vie. Vous touchez des commissions sur absolument toutes les ventes qu'on fait, les abonnements à System.io, les formations et également nos offres de coaching. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et ici vous avez des liens d'affiliation que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est pour la partie le tableau de bord affilié. Donc on revient sur le tableau de bord. Ici on a donc les contacts. Donc les contacts c'est un petit peu c'est votre audience, c'est votre clientèle. Vous voyez ici on a donc les contacts qui vont apparaître ici au fur et à mesure que les gens vont s'inscrire. Donc un contact c'est minimum une adresse email. Ensuite, on peut récupérer d'autres informations, le prénom, l'adresse, l'adresse postale, etc., etc. Et ici, on a un outil de filtre. Ici, on a les tags. Alors, il faut savoir que dans System.io, il n'y a pas de liste. Il y a en fait un système de tags qui permet de segmenter. Donc ça, on verra en détail dans la vidéo sur les contacts. Mais sachez juste que System.io fonctionne avec un système de tags. Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur votre blog, hop, on va lui mettre un tag blog ou alors prospect. Une fois qu'il a acheté un produit, hop, on va lui mettre un tag client de tel produit. Et c'est comme ça que vous savez précisément tous vos contacts, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est très utile pour vous permettre de segmenter votre marketing pour, par exemple, envoyer des emails pour vendre un produit A uniquement aux gens qui n'ont pas acheté le produit A. Deuxième partie très importante de System.io, ce sont les tunnels de vente. Donc pareil, il y aura une vidéo en détail qui va vous montrer comment créer des tunnels de vente. Vous allez voir, c'est très facile avec System.io. Encore une fois, croyez-moi, c'est une vraie révolution. Pas besoin d'être un développeur, pas besoin de créer des pages. Non, en quelques clics, on a toutes nos pages qui sont créées.
Ici, on a les emails. Donc, vous avez les newsletters. Donc, c'est des envois manuels sur toute votre liste ou alors une partie de votre liste. Vous allez en fait utiliser les tags pour envoyer uniquement à certains contacts et pas à d'autres. Et ici, c'est les campagnes. Donc, les campagnes, ce sont en fait des séquences d'emails qui sont envoyées automatiquement. Et ici, vous avez des statistiques. Vous voyez en fait, c'est un petit peu un tableau de bord de vos envois. C'est important. Vous voyez le nombre d'emails envoyés, pourcentage moyen d'ouverture. Donc, tout ça, c'est très important pour suivre vos statistiques d'envoi. Ici, on a donc l'automatisation. Alors, l'automatisation, on a des règles. Il y aura également une vidéo spéciale sur l'automatisation. Sachez qu'on a des règles qui permettent de faire des automatisations assez simples. Par exemple, quand un contact s'inscrit à un formulaire, lui ajouter un tag et l'inscrire à une séquence d'emails automatique. Vous voyez, c'est assez simple. Et on a un nouvel outil qu'on vient de lancer dont on est très fier. C'est un éditeur de workflow qui vous permet de créer des véritables workflows. C'est assez impressionnant. On va encore améliorer cette fonctionnalité, mais vous pouvez vraiment automatiser tout votre business avec System.io. La dernière partie, c'est la partie vente. Alors là, on a beaucoup de choses. On a donc les produits. Les produits, c'est important de comprendre que ce sont les produits physiques. Tout le monde ne vend pas des produits physiques. Vous pouvez vendre des produits d'information. Moi, c'est voilà, je vends des produits d'information depuis 2010. Donc, pour vendre un produit d'information, vous n'avez pas besoin de créer un produit, hein. Vous verrez comment on fait. En fait, on va créer un site privé de formation et ensuite on va donner accès à ce site privé de formation, soit à travers un formulaire pour donner accès gratuitement à quelqu'un en échange de son adresse email, soit sur une page de paiement. On appelle ça une ressource. Je vous montrerai quand je vous montrerai la partie sur les tunnels de vente. Donc ici, les bons de réduction. Donc, vous pouvez créer des bons de réduction. Ici, vous avez donc les commandes quand vous avez des produits physiques. Ici, vous avez donc la liste de tous les paiements. Vous pouvez voir. Aujourd'hui, on a l'intégration avec Stripe et PayPal. Je vous recommande, si possible, d'utiliser les deux puisque vous allez faire plus de ventes puisqu'il y a des gens qui veulent utiliser PayPal et qui ne veulent pas utiliser voilà, une carte bancaire. Vous avez la gestion des abonnements, hein, bien entendu, avec System.io. Vous pouvez vendre des abonnements. Moi, je vends beaucoup d'abonnements et je gère tout avec System.io. Ici, les factures affiliées, c'est en fait quand vous avez un programme d'affiliation, que vous avez des affiliés, on fait de l'auto-génération de factures pour facturer vos affiliés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de leur demander de vous envoyer une facture pour leur payer leur commission d'affiliation. C'est beaucoup plus simple. Et ici, on a les formations. Donc, je vous montrerai comment créer vos formations. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Les packs de formation, c'est si vous voulez en fait créer des packs de formation, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire par exemple le pack, je ne sais pas moi, le pack immobilier, hop, on met dedans plusieurs formations sur l'immobilier. Les élèves, ce sont donc les gens qui sont, qui ont accès à vos formations, donc les élèves de vos formations, vous pouvez les gérer ici, et vous avez donc ici votre programme d'affiliation, et ici vous pouvez définir les paramètres de votre programme d'affiliation, et ici vous avez un menu qui vous permet eh bien, de définir les paramètres. C'est vraiment très spécifique, on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Donc c'est parti, c'était un petit peu une vision d'ensemble de System.io. On va tout de suite voir la première vidéo sur comment gérer les contacts.